Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Est-ce que ça veut dire que, au niveau de la classe politique, naturellement, même si vous n'avez pas qu'à répondre pour toute classe politique là, mais est-ce que vous pas quoi que tu as gagné certains bras au niveau de la politique haïtienne qui contribuaient, qui mêlaient à l'assassinat de Jovenel Moïse? Écoutez, ce que je peux dire, et ben c'est l'évident, c'est que pour arriver à assassiner, exécuter Jovenel Moïse, la Kaili, cela veut dire que c'était un vaste complot. Et c'est pas ton petit complot, petit. Pas oublier dans le pays, non. Ici, tu as toujours dit que le complot plus fort parce que c'est un gars. C'est un vaste complot. Et je crois que c'est pas possible qu'un monde qui est adversaire politique et M. Moïse, qui met la donne, qui a une opportunité à le rentrer, c'est capable d'arriver et qu'un monde qui a un problème avec lui et pour des raisons économiques qui rentrent la donne. Ça capable briver un monde qui prend Corbio qui rentre la donne parce qu'il dit monsieur actionnaire. Ça capable briver et tout pareil. Même qu'on est, il n'y a pas capable d'exécuter et ça c'est la seule vérité. S'il n'y avait pas une complicité éterne, il n'y a pas capable d'exécuter si il n'y a pas de livrer, si il n'y a pas de vendre. Parce que même si tu as un monde dans l'opposition, monde de l'autre côté, monde dans le secteur privé, monde à l'étranger qui la donne, mais quelque part, c'était quand même l'homme le mieux gardé du pays en termes de sécurité. D'accord? Tu as toute la structure de sécurité du pays à sa disposition. Jean-Louis a montré que ce n'est pas vrai. Non, attendez. Ça fait un complot, puis il faut passer Wanga. Complot, puis fort parce que Wanga. Mais l'éclair, c'est un gros complot, une complicité interne, et un bon monde qui met la donne. Même si, je suis capable de dire, c'est ma conviction, et c'est ma compréhension comme avocat, mon gars fait droit pénal, un bon désordre qui a fait dans l'enquête là. Un bon désordre, commissaire du gouvernement Port-au-Prince fait. Premièrement, monsieur qui t'a dit les flagrances l'an passé, pour qu'il va agir. Il va faire rien, il va arrêter le monde, il va poser aucun acte de poursuite, dans le délai de la flagrance. Les délais à fin passé, ça posait des actes arbitraires. Lors, ou pas qu'à un dossier d'assassinat dans le monde, ou qu'un bel n'a pas qu'un DCPJ, 26-27 jours après l'assassinat, il n'y a plus de flagrance. Il pourra me mettre des mandats d'amener. Moi-même, je ne vais pas le mettre même dans du fait. Et pour aucun monde. D'accord? Chacun doit assumer ses responsabilités. Et deuxièmement, surtout il, je t'apprends la balaye, bon, moi, je ne bats qu'on aime, dans le coup d'État. Ça veut dire, tu as fait le compte, moi, tu as fait le compte secteur démocratique, là, tout. Faut me réfléchir ça, tout. Ça veut dire, je n'ai aucun intérêt mal défendre personne. Mais, ou pas qu'à dire. Tu as bien impliqué, non? Tu as bien impliqué, non, après coup? Tu as bien impliqué, non? Tu as bien impliqué, non, dans la prise du pouvoir. Comment tu as bien impliqué? Dans la prise du pouvoir, oui. Bon, dans la gestion du pouvoir. Par la suite. Oui, bien sûr. Dans la gestion du pouvoir, parce que Léo fin prend nous faire coup d'État, laisse ça discroire, c'est la transmission démocratique du pouvoir, ça l'a allié. Oui. Laisse ça, on a obligé de dire, bon, il a fait élection dans 6 mois, il a fait dans 9 mois, il a fait dans 18 mois, il a fait dans 24 mois. On a obligé de chercher une espèce de consensus pour être capable de réaliser la passation du pouvoir par la voie des unes. Mais de toute façon, on a fait le compte nous, parce que yo fait, yo planifié par aucun monde dans le secteur noir qui est au courant. Maintenant, moi-même, on m'a dit, là, moi, met ton mandat d'amener contre Paul Denis. Et pour dire, Paul Denis, t'es dans un complot pour le bail, on est gueulé ça non pouvoir. Premièrement, il y a la violation de la procédure. On va quand même mettre ton mandat d'amener 27 jours après un assassinat contre un citoyen qui a un domicile connu. Ce n'est pas normal, vous n'avez pas ce droit comme commissaire du gouvernement. Mais deuxièmement, Valérie Numa, pas que personne monde qui fait me croire que on est dans coup Paul Denis. Qui a cherché pouvoir depuis 40 ans, li pral associé à un coup d'État, et puis pour le bain, on est qui relève ça, non Emmanuel, ça non pouvoir. Si on dit, monsieur, d'avoir le fond coup d'État pour le président, vous ne comprenez pas. Oui, on a mis ton poupée pour dire visage. Non, mon cher. Ça n'a aucun sens, mon cher. On a dit, on est un homme politique. Non, qui soit dit que pas un sens, non.
ça arrive un pile fois maintenant de Michel que comprenez bien non comme nous entrer attendez comme nous entrer dans exemple n'a baissé prendre là moins dit ça qu'arrivé que ou bon on est pouvoir et puis petit visuel mais bon on est pas connaît pas on pas connaît quand même alors bon Dieu ça arrivé dans cas ça maintenant de Michel par exemple nous risquons de jouer un pile réaction de ce genre. Réaction de entourage Paul Denis, réaction de entourage n'importe l'autre monde, par exemple, qui a cité dans la question ça. Bon, je sais par exemple, gagner le juge de paix à attendre au monde bon cas, Joseph Vincent. Oui. Ok, on prend cas ça, Joseph Vincent. Joseph Vincent, il a pas attendu une seule fois. Il a attendu dans le commissariat Pétionville d'abord. Juge de paix attendu là. Monsieur cité une série de noms. Par exemple, il était cité Harrison Ernest, le lieutenant commissariat Pétionville là. Le monsieur arrivé dans et DCPJ il pas cité dans Harrison Ernest encore. Est-ce que vous ça veut dire? Ça veut dire que on t'a dit par exemple c'est ça arrivé là. Commissaire gouvernement dit le t'a attendre monsieur dans DCPJ, il était là, il pas attendre monsieur cité dans Harrison Ernest. Pourtant il était cité dans Harrison Ernest dans commissariat Pétionville là. Comprendre ça arrivé là. Qu'on y a mais ça arrivé. Hier soir, moi recevoir une note, enfin c'est un texte sur WhatsApp que mon qui écrit maintenant, lui dit c'est Madame Paul Denis. Ok. Et puis qui, ok d'accord, qui reproche moi, qui reproche moi le fait que moi parler de dossier. Attendez, moi parler de dossier Paul Denis. Et puis moi réponds ni, moi dis bon, ça c'est mal comprendre métier. Et puis il dit me très déçu, bah comme ça etc. Bref. OK. Maintenant, moi réponds ni pour me dire que moi m'a fait métier que le journalisme. Moi gain un document officiel là même que m'a bail lecture. Moi pas comprendre sur qui base pour que m'a lire un document officiel pour m'arriver pour m'sauter des bagages là-dedans. Moi pas comprendre ça. Oui. Maintenant, c'est pas ça qui choque moi, pas parce que madame Paul Denis écrit. Mais c'est parce que tout de suite après, moi ouais ça madame Paul Denis écrit dans sous tout groupe. Ça veut dire que madame Paul Denis font bagay côté li fait crime et puis il publie sur tout réseau pour l'attaquer. OK. OK. Qu'on y a gon juge qui veut le ban moi, gè plusieurs avocats qui veut le ban moi, c'est là ça qu'on a moi écrit là comme dit ah bon, moi te pense c'est ton échange privé moi avant de gagner. Comme c'est sous réseau n'a fait bataille là et même pral répondre nous sous réseau tout. OK. Mais pas même besoin arriver là. Oui, maintenant je vais là. D'ailleurs moi écrit la note que m'écrit là, me dit mais Paul est un ami. On connaît ça, mais ça me d'après. En plus de ça, attendez. Faut madame n'en songer que beaucoup gens m'a parlé de sénateur dans 46e législature comme un sénateur modèle pour me pas citer Paul Denis là-dedans. Oui, même j'aime toujours citer Edgar Leblanc, même j'aime toujours citer Madistin. Comprenez bien, ça veut dire que quelque part c'est cherche un problème pour le pays. Dans le cas madame Paul Denis. Pas bien, nous avons un moment quand même de grande épreuve pour la famille. Hein? Ok? Pas qu'arrivé. Non, c'est pas une raison pour perdre tête ou non? Hein? Oui, mais quand même. Mais ça, d'ailleurs, je ne partage pas ce qu'elle a fait. Je ne partage pas. Et moi, pour te soutenir à Paul Denis, moi, il y a un contexte sur ça. Premièrement, moi, je dis que le mandat d'amener est manifestement illégal. Et deuxièmement, moi, je dis pas qu'il y a un monde qui a fait croire que Paul Denis, que je connais, que m'a suivi depuis 25 ans, que m'a fréquenté depuis plus passé 20 ans, il pourrait l'accepter, rentrer, il pourrait le mettre le nom coup d'État pour le un coup d'âme et Emmanuel ça non pouvoir. Paul Denis pas fait ça. Oui, mais sauf que, si ou même comme avocat, ou même comme avocat, maintenant de Michel, attends, comme avocat, comme leader politique, ou d'accord que, un commissaire gouvernement qui a travaillé sur un dossier, ou nous reprocher le fait que il pas respecté procédure ça tout le monde d'accord avec ça nous d'accord il pas respecté procédure d'accord OK mais pour nous est-ce qu'on d'accord que si un témoin ou bien un monde que au kembe comme assaillant comme mercenaire il fait déclaration en cité des noms mais est-ce qu'on d'accord c'est logique pour inviter monde est-ce qu'on d'accord ça au moins non d'accord ça OK ça veut dire que faut que nous pas tomber dans piège non attendez m'a dit Le commissaire du gouvernement a commis un péché procédural originel. Qui premier péché le commet? Il était supposé déférer dossier dans le délai de la procédure devant cabinet d'instruction. Maintenant, c'est le juge d'instruction qui a pas le gain pour l'inviter tout le monde. Si aussi de non Paul Denis, le juge d'instruction invite Paul Denis.
Il a cité non et Liné Balthazar, le juge d'instruction. Mais c'est ça qui explique position Paul Denis, c'est que 10 000 fois le patapra le devant commissaire gouvernement, parce que le commissaire gouvernement a toujours fait l'abus. Il préfère s'il a invité le cabinet d'instruction. Paul Denis préfère le cabinet d'instruction, oui. Mais il a raison. Je vais te dire pourquoi il a raison. Parce que le commissaire du gouvernement a outrepassé ses droits en gardant un dossier à son bureau 22 jours après l'assassinat. Parce que c'est important. Parce que si aucun bon dossier n'a mon, alors que délai pour te déférer là, délai a passé, vous avez sciemment violé la loi, vous avez le droit de dire devant. Mais Paul Denis n'a pas qu'à refuser de comparaître par devant le juge. Ah, mais très certainement. Et mais, dossier, ça, c'est même genre. Yo arrivé côté yo arrêté Pasteur Sano, ok? Yo joine monsieur gagne une lettre que le tab voye by docteur Reginald Boulos et mais c'est pas accusé de réception non c'est lettre là et oui. Qui pote date en nous dit 7 juin oui 7 juin et 2021 mais monsieur pas gagne envoyer lettre là monsieur pas envoyer lettre là puisque Reginald Boulos pas recevoir pas gagne accusé de réception etc. Comprenez bien mais lettre là est là lettre est là il beaucoup aller maintenant on t'a dit par exemple chaque logon élément en dans enquête. Moi-même par exemple, je voulais tout le monde comprendre ça m'a dit là. Depoutant de me dit un bagaille André Michel ou met quoi moi ça me passe nous pas bon crédit à 75%. Moi gain une source extrêmement fiable qui ben moi. Deuxièmement, très souvent mon document là même. Ça veut dire que si mon document officiel, qu'on a si mon qui officiel yo choisi à peine du monde en néo, d'accord, c'est pas moi. M'pala pour juger ça ou ben moi gon procès verbal là même qui signé gon greffier qui signé et gon juge de paix etc. m'appelé ou moun pa ka décider dim m'pa rien droit li un procès verbal que gon d'ailleurs que son privé et puis Valérie attendez qu'est-ce que ça faut entendre nous joli dans tous les pays du monde même côté qu'une justice indépendante justice forte m'te ka prendre en France par exemple que me suivre régulièrement. Conseil des dossiers de corruption, dossiers criminels. Automatiquement, dossier a impliqué des personnalités politiques. Ces dossiers importants, journalistes ont commenté à longueur de journée. C'est la règle. C'est la règle. La presse joue un rôle fondamental dans l'orientation du procès pénal. Parfois, elle fait de façon positive, parfois, elle fait de façon négative. Mais ou pas qu'empêcher un journaliste commenter un dossier qui est devant la justice, surtout quand il s'agit de l'assassinat d'un chef d'État, même si c'était un chef d'État de facto, c'était un criminel. Ou pas qu'empêche un journaliste commenter ça. Il fait en France, il fait aux États-Unis, il fait en Allemagne, il fait dans tout pays dans le monde. La presse a commenté chaque jour des dossiers de justice. Ok, ça c'était parenthèse. On va qu'empêcher un journaliste. On va critiquer un journaliste parce qu'il parle d'un dossier de justice. Ça, on ne peut pas faire ça. On fait une parenthèse. C'est inacceptable. En nous garder Madame Président Martine Moïse et autant de déclarations, elle fait des positions au niveau de DCPJ, les bail de interview, une CNN, une New York Times et autant de commentaires qui sont faits comme évaluation, sont notés, qui attirent l'attention. Bon, moi, que des bail qui ont dit genre. Et je me trouvais qui paraît un genre bizarre. On ne même pas vraiment voulu parler de yo parce que c'est pas pour le chercher comme si je m'a attaqué. Et par exemple, il dit que il te prend balle dans le cou de lit et puis bouche était plein sang. Bon, est-ce que c'est sang Jovenel qui te volé dans bouche lit? Et il dit mon yote quoi elle te mouri. Par contre, bon, est-ce que des mercenaires qui viennent exécuter un chef d'État de facto est capable de quoi mourir pour pas mourir? Si y a un petit haut pour mourir, il n'y a pas de bon balle dans le coup de bras, il n'y a pas de bon balle dans la hanche. Comprenez? Il y a des mercenaires qui veulent exécuter, ils sont côté pour le tiro, pour l'éliminer. Comprenez? Si vous avez le bon balle dans la hanche, dans le coup, c'est que vous voulez qu'ils aient envie. Pour qui ça? Maintenant, enquête la bras faite. Et puis, n'a pas connaît exactement ça qui passe. Tout compte fait, les déclarations de Mme Martine Moïse, pour moi, sont confusionnelles et sont pas du tout convaincantes. Moi, quoi, ils sont témoins et importants dans le dossier,
est capable même vino suspect. Ça dépend parce que dans cette affaire, il faut privilégier toutes les pistes. Aucune piste ne doit être écartée. OK? Quel que soit mon nom, quel que soit piste là, c'est pour y fouiller, mais ça c'est le travail d'un juge d'instruction expérimenté qui a les moyens nécessaires pour le faire travailler. Et ça fait moi-même moins reprocher le comportement et du commissaire du gouvernement et qui a essayé de bousiller le dossier et mettre mandat à droite à gauche, alors qu'en principe il aurait dû déférer les pièces du dossier au cabinet d'instruction avec son réquisitoire d'informer dans le délai de la loi, c'est ce que dit le code d'instruction criminelle. Et puis pour le dossier à faire courir normalement, s'il n'a besoin d'assistance judiciaire, s'il n'a besoin de coopération judiciaire police internationale, le juge d'instruction prendra une ordonnance pour solliciter cette entraide. D'accord, faut gagner un exemple tracé. Même Jean-Tour, Moun La Saline, Moun Belle, Fond Justice, faut que Jovenel Moïse, famille, Jean-Tour. Doyen tribunal première instance, pour l'instant, l'État supposé remettre dossier, je dis, hein, puisque quand même, sorti suite à commissaire gouvernement, fait lui. Bah, il l'a fait finalement. Il l'a fait finalement parce qu'il commence à tirer en bonne critique. Finalement, il fait très tard et il tellement fait le tard, ça n'a pas retiré faute et que le commette là. C'est des fautes graves qui, à mon avis, méritaient sanctionner. Maintenant, le doyen va assumer sa responsabilité. Il va envoyer le dossier à le juge d'instruction. Le juge d'instruction va prendre le dossier à poule, les pièces du dossier, l'ensemble des pièces du dossier, les procès verbales, différentes déclarations, parce qu'il faut le préparer à l'instruction. Hein. Pour le préparer, il faut lire pièces, il faut lire toutes déclarations. Il faut lire des accords, il faut lire accords. Bref, moi, je crois que. Et c'est un dossier qui doit être conduit dans la plus grande sérénité. Heureusement, même si c'est tard, on a déféré le dossier au cabinet d'instruction. Le doyen va faire son travail et le juge d'instruction va devoir conduire l'enquête avec science, avec indépendance. Et puis, il faut le moyen pour le faire le tout. Parce que si le juge d'instruction n'a pas le moyen pour l'agir, il n'est pas capable. Par exemple, le juge qui a mené un dossier et bâtonnier d'Orval là, les mêmes, ils ont été désarmés. Le Jovenel prend toute sécurité, il n'a pas côté lui. Et dire qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour le travail. Moi, j'espère juste ça, il n'y a pas le moyen. Et puis, il faut que le dossier de justice soit avancé. La justice élève une nation. Tous les dossiers de justice qui sont pendants par devant les tribunaux, il faut que tout avancer. Le dossier Massacre La Saline, Belle, Cité Soleil, Delma 32, Bâtonnier d'Orval, il faut que tout dossier soit avancé. Grégory Saint-Hilaire, nous avons besoin de connaître la vérité. On nous retourne sur complot. Si thèse complot, c'est le même qui est valable, par exemple, pas oublier qu'il y a une pile d'informations qui a circulé, il y a des déclarations que les gens qui ont été eux-mêmes ont bâillé, et il y a des témoignages que ont fait. D'après vous-même, qui ça qui t'a fait que Jovenel Moïse était aussi vulnérable jusqu'à ce que même les gens qui étaient dans l'environnement immédiat lâchent? Bon, pour l'essayer. Parce qu'il y a des contentieux avec moi. Et parce que il y a des contentieux politiques, d'assemblée, contentieux politiques. C'est-à-dire, monde qui estime que je suis en courbe, monde qui estime que je suis mené un pouvoir dans la direction, des engagements, non tenus, ça te promet pour le débat, il n'y a pas de débat. On était supposé bailler pouvoir, la prendre l'autre direction. Pas qu'on est. Est-ce qu'il y a bien affaire criminelle là dans le tout? Parce que on thèse drogue tout. On thèse drogue parce que Jovenel Paton Saint, pas oublié, UCREF, te font rapport contre lui, non affaire de blanchiment. Et c'est qu'on a fait drogue dans le dossier, parce qu'il faut pas en prendre le bon Saint. D'accord? Et bref, je pense que son vaste complot, et la justice a permis de nous comprendre exactement et ça qui est passé là. Mais, combat possibilité pour y arriver à un complot comme ça. C'est pour moi qui est facile, qui pas simple. Qui moun se dérèle? Et l'élite en danger, Léon Charles, qui a plaidé faire conférence de presse, à point de presse, il va me répondre à une question journaliste. Combien de temps il prend pour réagir? Parce qu'il a dit Jovenel Moïse dérèle. Et opération pour exécuter Jovenel Moïse, là, combien de temps il durait? Est-ce que c'est 30 minutes? S'il dure 30 minutes, commissariat Pétionville appelle le c'est moins de 4-5 minutes, là, 1h du matin. Et pourquoi
pour qu'ils n'ont pas de protection Koubali, sécurité par les nationales. On prend. Comment expliquer cette faillite? Parce que son monde a 30 à 40 agents de sécurité attachés à votre personne. Comment pour tout faire faillite? Ça ne va pas comprendre moi-même. Ça dit nos structures de sécurité, qu'on doit avoir 2 nègres en vitrail, qu'on doit avoir 10. Mais si on a 30, tous les 30 sont capables de faillir en même temps. Puis elle prend sous carbone, nous, on a l'impression que la porte est ouverte. Bref, parce que son dossier coriace, son dossier énorme. Tout le monde qui est dans le cas, il faut poser aux questions, il faut poser ma petite question, il faut poser servante question. Moi, c'est que son procès est énorme, et ça va prendre du temps, et ça m'a dans pile coopération. Et Colombien, ça, qui est-ce qui paye? Hey, mercenaires. Parce que mercenaires ne peuvent pas tuer le monde pour 50 000 gouttes, pour 200 000 gouttes, côté comme ça, sorti. Oui, mais alors, faut me dire que, et en parlant de ça, pas oublier que, gagner un pile d'argent que vous jouez sur vous. Ensuite, gon l'autre information que je viens de gagner, que ma mesure confirmée. Et le monsieur était dans courri, il a cherché, gagner une dans Colombien, il a cherché refuge dans zone là, il a frappé, et puis, il a proposé, et moun en dans là, qui c'est un médecin, qui parle espagnol, qui comprend yo, 40 000 dollars pour eux deux, pour permettre que soient capables de prendre un refuge en Dakar. Ce que le médecin a refusé. Non, mais Valérie, c'est pour une plaisanterie. Parce que Léon Charles parlait de 28 à 30 Colombiens qui participaient dans le crime. Et pour 28 à 30 Colombiens pour venir là, il faut regarder côté comme la sortie. Parce que ça, non, ça. Monsieur Gendoa, on chien chaud, il faut le président. Et puis, il y a des gens qui passent dans la tête. Mais est-ce que ça n'est capable de mobiliser comme ça? Ce sont des gens qui ont failli aux États-Unis, d'après information Miami Herald Bay. Les gens calculent ça, ils ont comme revenu par rapport à la tête, mais ils sont pauvres. Bref, il y a des gens qui payent comme ça. Qui est-ce qui a acheté les fusils? Qui est-ce qui a payé les mercenaires? Qui est-ce qui a payé pour obtenir le passage? Parce que pour entrer dans ça, pour payer toute sécurité, ça, et n'est-ce qu'on compte. C'est une petite opération. Pitié. C'est une grande opération. C'est un vaste complot politique et criminel. C'est pourquoi ce dossier doit être déféré par devant un juge d'instruction expérimenté qui a une indépendance pour le travail. Pour nous comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que dans le cas ça, par exemple, on considère quand même c'est la même équipe qui est au pouvoir, ou presque, hein? Et oui. Est-ce que vous pensez que a gagné velléité pour que ça fête, pour permettre que juge ça, son juge ait moyen suffisant pour le capable de faire travailler? Bon, moi-même, ça me comprend. J'ai l'impression que le plus facile pour une série de monde qui n'est pas dans le pouvoir du tout, faire dossier ça avancer. Que c'est le monde qui n'a pas le pouvoir ou même qui fait le dossier avancer. Les semblés, les ratailles qui mangeaient par les cailles. Et bon, bah, quand même, sur Facebook, ils ont dit comme ça, c'est mettre chat là qui tue chat là, c'est vrai. Tout caca clairé dans la zone, manger dans la viande. On est haïtien, bon, Jean, ils ont dit, ouais. Bref, si vous pensez que c'est parce que c'est même équipe là qui est toujours au pouvoir, et puis ça va avancer vraiment, ou quand on perd tout. Parce qu'on ne sait pas encore. Le vrai mobile de ce crime et quels sont les comploteurs, les auteurs intellectuels. C'est pour plaisanterie là. Madame Nani même Martine Moïse, c'est vrai que il a arrêté des monde, mais il dit mon il a arrêté eux, c'est pas l'équipe important pour lui, ça qui est important pour lui c'est qui monde qui t'est passé l'ordre là et qui monde qui t'est financé. Bon, et là encore, ça le dit à bon sens. Mais faut qu'on prenne déclaration le tout avec pincette. Parce que j'en vois là une logique de contestation politique, tout une logique de combat politique. Ou est-ce que des gens l'APC pointé du doigt? Et bien ça, tout, oui. Parce que quelqu'un l'APC pointé du doigt. Quelqu'un l'APC met en difficulté. Pas besoin de citer nos personnes. Mais on sentit quelqu'un l'envie met en difficulté. On sentit quelqu'un de compte politique, les besoins réglés. D'ailleurs, déclarer que le capable candidat est capable d'utiliser assassinat ou crime pour régler ses affaires politiques. Et là encore, moi estimé quelque part, lui paraît un genre cynique. Parce qu'on n'est pas capable qu'un jour après
et assassinat mari ou et puis ou quand t'as envisagé et possibilité pour aller prendre pouvoir. Il paraît un genre cynique et tout juge d'instruction cap enquête ça fait yo. Si on t'a posé 5 questions, on a posé 10 questions. Si on t'a posé 20 questions, on a posé 30 questions. Parce que quelque part, il cherche à prendre un peu davantage dans le cadre de cette affaire. Ok, ça c'est pour assassinat lui-même. On quitte la justice, fait travailler lui. Au fur et à mesure que il y a des informations qui peuvent entraver l'enquête là, parce que nous sommes capables de toujours partager là avec le grand public. Mais maintenant, Mesdames et Michel, au fait, qu'on voulait le coup Pavlil, et au devant réalité, côté que nous t'es souhaité que Jovenel Moïse quitte le pouvoir, bon, même si c'est pas dans la condition, ça nous t'es souhaité lui, mais en tout cas, lui quitte lui, il parle encore, et qui pique grave toujours, lui fait place nette. L'homme t'es recevoir, m'te insisté sur ça, et pendant plusieurs fois, moi, je vois des monde qui sont dans l'opposition, moi, dit, ok, quid de l'après-Jovenel? Et me songe te dit que nous gagne une feuille de route qui préparée et consensus là nous joindre c'est juste peut-être quelques petits détails pour nous ajuster et puis rapide n'a pas le venir n'a pas le faire ceci n'a pas le faire cela etc. Il n'en a rien été. Nous rendons compte que jusque là nous pas entendre nous jusqu'à ce que Ariel Henry avec l'international foue bouche dans causea qu'on y a mis dans des explications sur ça, je dis, parce que depuis je venais l'aller, c'est comme si nous avons presque envie de dire 48 heures après, pas un problème, remplacer ça à un moment, patati patata. Nous, c'est pas ça lié. Bon, il y a deux choses. Et premièrement, il faut nous comprendre la situation. C'est pas une situation côté une forte mobilisation populaire. J'en sais en 2019. Et que pour et satisfaire revendications populaires et que Jovenel Moïse rapidement l'obligé de quitter le pouvoir. Le ça, monde qui était convoqué, qui était réalisé grande mobilisation populaire sérieux, il a automatiquement gagné le coup de franges pour y mettre solution. C'est une première considération et pas ça lié. Deuxième considération et tâtonnement qui vient là. Ouais, pour trouver la bonne solution, lui montrer, nous, encore une fois, l'importance des institutions républicaines. Jovenel Moïse crasait toute institution, il était géré pays en un désordre, et il mourait par une institution qui campait. Et avant, il m'a parlé avec un ami qui dit, d'après vous, si ça t'arrive en France, pas ta institution, tu t'as mis tout politicien, mon société civile, chita, tu as choisi un président, parce que c'est facile, c'est pas d'institution. Maintenant, on a le problème, pas nous. Le 7 février 2021, compréhension pas moins, t'es un consensus suffisant qui était fait autour d'un juge ou de cassation. Consensus suffisant, même si tout le monde bat la donne. Mais faut nous reconnaître, après consensus ça vient craser. Que l'autre monde, qu'elle dans l'autre direction, ça vient craser consensus là. Et comme consensus ça a brisé, voilà que 7 juillet 2021, ils ont assassiné Jovenel Moïse Lakaeli. Situation prend nous, côté consensus nous te gagnons l'écraser et nous obligés de retourner à la table pour nous chercher consensus. Et ça fait, ouais, ou gagne les signataires, les amis, et que m'apprécie en pile, signataires du protocole d'entente nationale, qui gagne en position, grand groupe dans la société civile là, y a la commission qui a cherché une solution haïtienne, qui gagne Magali Georges, qui gagne Joël Louis, grand groupe société civile, il y aurait les marchés pour la vie, qui gagne Gédéon Jean, qui a dirigé le défenseur de l'Ouamoun, qui gagne Maître Benson Pierre-Luladan, Adol Antonin, son groupe qui était très actif dans la mobilisation avec nous sur le terrain. Gagne, sous échiquier politique là, des groupes politiques qui passent un protocole d'entente là. Tant que famille Lavalas passienne, Petite Dessaline passienne, OPL passienne, Inifos passienne, SDP, Secteur démocratique et populaire passienne, Combit passienne, le bloc de gauche FPP passienne. Bref, voilà la situation. Et c'est ça que fait Secteur démocratique l'a dit. Dans cette situation, il faut nous joindre en accord. Il faut un consensus politique assorti d'un accord politique largement large. Oui, mais attendez, Michel. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché pour t'attendre
dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.